Et puis, le grand rendez-vous, on va aller à Las Vegas maintenant, parce que le grand rendez-vous annuel des gens de l'électronique, des constructeurs automobiles, aussi beaucoup de start-up technologiques, est commencé à Las Vegas et les innovations continuent de se dévoiler, notamment celles des Québécois. Tantôt, on va parler avec un Québécois donc, qui est allé au Convention Center de Las Vegas. Mais on commence d'abord avec notre ami Bruno Guglielminetti, animateur du podcast d'actualité numérique Mon Carnet. Salut Bruno. Bonjour, Michel. Alors, cette année, je me trompe ou ça se fait sous le signe de, et l'influence de l'intelligence artificielle, cette grand-messe là, des nouvelles technologies? Bien, il faut croire que vous avez du pif pour l'information parce que c'est effectivement ça. L'intelligence artificielle, c'est sur le bout des lèvres de tout le monde ici. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine, évidemment, des produits électroniques de divertissement, mais aussi, on le voit ça dans le monde de l'automobile, dans le monde de la santé, qui sont très présents, c'est des sujets, des secteurs qui sont très présents, et particulièrement aussi dans un secteur qu'on appelle ça le Edge Technology ou le Edge Tech. Et ça, c'est une des produits technologiques qui s'adressent à la cinquantaine en montant. On le sait, hein, les baby boomers, c'est une grosse partie de la société, et ces gens-là vont avoir des besoins pour leur bien-être, et donc il commence à y avoir des technologies, entre autres, une technologie qui permet à des gens qui ont des problèmes avec les mains, d'enfiler un gant et d'être plus exact avec leurs mains. Même chose pour les jambes. Quand vous avez de la difficulté à marcher, il y a on appelle ça un exosquelette. Là, c'est un petit équipement qui s'attache à la ceinture et sur les jambes. Là, vous avez l'impression que vous marchez tout seul. Alors ça va changer la vie de bien des gens. Je me trompe. Il n'y a pas si longtemps, on nous disait que l'intelligence artificielle annonçait la fin du monde, de l'humanité. Puis là, on se retrouve plutôt à Las Vegas avec plein de technologies qui utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter notre vie. Là. Alors, j'ai presque l'impression de faire une suite à l'histoire précédente et de dire qu'il y en a des bonnes nouvelles ici aussi. Et justement, dans le cas des produits qu'on utilise ou où on utilise l'intelligence artificielle, que ce soit embarqué dans le produit ou que ça soit relié parce que le produit génère des données et l'intelligence artificielle l'utilise pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, bien, on est dans un contexte où l'intelligence artificielle est utilisée pour du bien. Il reste que, comme on l'a entendu avant Noël, il y a des gens qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire du mal. Ça, malheureusement, bien, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oui, ça, c'est une vérité avec laquelle on doit composer, ça, c'est clair. Qu'est-ce qui, de façon pratico-pratique, pourrait se rendre dans notre quotidien rapidement, là, Guillaume? Bruno, pour ce que tu as vu, là. Oui. Moi, ce qui me reste en tête, c'est un truc que j'ai vu au début de la semaine, et ça va vraiment... Tous les Anglais parlent d'une expression, c'est le « game changer », quelque chose qui va changer le jeu. C'est une paire de lunettes, un peu comme la mienne. Ça a l'air de ça, là. C'est pas un gros casque. Et c'est avec, en plus d'un correctif pour la vue, il y a un appareil auditif qui est ajouté dans la barrette de la lunette ici. Et ce que ça fait, c'est que discrètement, ça vous permet maintenant, pour les gens qui ont problème léger ou moyen d'audition, ça permet d'entendre quelqu'un correctement. Je vous donne le meilleur exemple. Vous êtes dans un restaurant, il y a plein de gens. Et puis, au beau milieu de ça, bien, vous parlez avec quelqu'un, mais vous l'entendez difficilement. Avec ces nouvelles lunettes-là, vous allez entendre comme s'il était, j'allais dire, devant vous, mais que vous étiez tout seul dans le restaurant et que le bruit était correct à 100%. Ça, c'est le genre de trucs qui vont changer. Bon, en terminant, qu'est-ce que tu perçois comme ambiance? D'abord, je comprends que c'est toujours bon une bande de geeks qui se retrouvent, puis c'est comme le party, là, mais sérieusement, toi qui y vas depuis longtemps, qui connais cet univers-là, Bruno, qu'est-ce que tu perçois qui émerge de ça? Oui, ben, c'est la 27e édition à laquelle je participe, et je te rassure, il n'y a pas que des geeks, il y a beaucoup de gens d'affaires, des patrons d'entreprise qui... Non, je sais, je fais des blagues, moi aussi. Mais donc, c'est ça. Ce que je sens, là, c'est que l'économie se remet à rouler. L'année passée, c'était difficile. On sentait qu'il y avait encore un petit peu de pandémie qui était dans l'écart. Mais cette année-là, j'ai l'impression qu'on revient à la belle époque d'avant, en 2019. Il y a 140 000 personnes qui ont convergé jusqu'à maintenant ici. Les entreprises sortent énormément de produits. J'allais dire, si on comparait ça à un voilier, là, les voiles sont levées. On sent que le vent est là-dedans. Maintenant, il faudra voir. Hein, c'est la présentation de produits pour voir si les acheteurs vont être là pour les acheter et les offrir aux consommateurs par la suite. Bon, c'est intéressant. Merci beaucoup à Bruno, puis bon salon là-bas. Là. Salut. Salut, Bruno Bonamigo, là, donc, qui était